Bonjour à tous les cafardinos, bienvenue à ceux qui découvrent encore une fois l'actu e-sport, hein, tous les lundis à 19h sur ma chaîne Twitch, et vous bien évidemment, vous en profitez quand vous voulez sur YouTube. Donc vous pouvez vous abonner pour être notifié. On approche également des 100 000 abonnés, ça me fait très plaisir, j'aimerais atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Donc ceux qui ne le sont pas, faites un geste de générosité et abonnez-vous. Aujourd'hui, l'actu e-sport, il va y avoir beaucoup moins de ragots, de drama, parce qu'il n'y a pas eu énormément d'annonces et de rebondissements autour de la scène compétitive. On va surtout parler de compétition et rentrer un petit peu dans l'univers compétitif de CSGO. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. On va revenir un petit peu sur le parcours là de G2, de Vitality, parce qu'il y a eu vraiment de grandes... des mauvaises performances, voilà, des contre-performances, mais à répétition. Donc pour moi, c'est plus que de la contre-performance à l'heure actuelle. Je pense même qu'il peut, ça peut déceler, entre guillemets, des problèmes, certainement en interne. Et on va essayer de deviner ça tranquillement. On va commencer par la première news, et c'est le retour d'Apex. Voilà, on a tous vu ça, hein. Je me suis même fait insulter de absolument tous les noms en disant que j'avais fait une vidéo sur l'arrêt d'Apex et qu'il revient juste après. Bah, j'y peux rien en fait. Si le mec décide d'arrêter et qu'il revient deux jours après, bah, moi je le communique et on appelle ça de l'information, les gars. J'y peux rien s'il revient. D'ailleurs, moi, ce qui me pose problème à l'heure actuelle, c'est un petit peu le timing, hein. L'arrêt de 3 jours, les communiqués officiels, les interviews, etc. Pour moi, ça sent pas bon. Voilà, je tiens encore une fois à le signifier. Donc peut-être que vous allez dire que je cherche la merde, hein. Peut-être que j'ai envie de créer des problèmes là où il n'y en a peut-être pas. J'espère de tout cœur qu'il n'y en a pas, mais je pense qu'il y en a. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve ça extrêmement bizarre, le fait qu'il y ait un capitaine qui décide de partir pour... même pas partir, il est mis aux arrêts via le staff pour des problèmes personnels. Il revient 48-72 heures après pour les IEM Katowice. Et les IEM Katowice se sont extrêmement mal passés. Voilà, moi c'est mon compte rendu personnel. C'est mon compte rendu personnel. J'ai été extrêmement déçu des performances de Vitality. Par contre, très très bonne performance individuelle de la part d'Apex. Donc pour le coup, mitigé. Mais Ziwoo un petit peu éteint. RPK, j'en peux plus. Voilà, RPK, j'en peux plus. Mais on va revenir là-dessus plus tard. Fallen, une news également qui annonçait justement que Fallen reprenait le leadership et le capitana et tout ça chez Team Liquid. J'adore, j'ai annoncé que cette équipe allait être exceptionnelle, j'ai annoncé que cette équipe me hypait de ouf parce que je la trouvais beaucoup plus homogène, beaucoup plus équilibrée, et j'adore ça, voilà. C'est Stewie qui disait, il apporte de nouvelles idées, une nouvelle vision de jeu, en dehors du jeu, il s'assure que nous sommes une équipe unie. Voilà, on connaît Fallen, hein, c'est un leader dans l'âme, on sait que c'est un bon gars, donc clairement il veille au grain, et ça me surprend absolument pas de voir une phrase comme ça de la part d'un de ses coéquipiers. Et très content, voilà, très content de cette équipe et qui ont fait justement des belles performances, notamment aux IEM Katowice. Vraiment, c'était un match, je pense que même le plus beau match de ce début d'année a eu lieu grâce à Liquid contre Navi hier, et il y a eu un record historique de viewers, de 600 000 viewers. Voilà, ça c'est une petite info pour tout le monde. Astralis qui a annoncé qu'il jouait à 7 joueurs. Alors, je ne sais pas quoi en penser, surtout que cette information vient après les bans, après les informations de Valve qui mettaient des sanctions aux multijoueurs, quoi, entre guillemets. Et donc, on a Bubsky qui était là, c'était le 6e joueur, qui me fait... Je sais que c'est un joueur exceptionnel, mais qui ne me fait pas une bonne impression dans cette équipe, pour le coup, donc je ne sais pas. Et là, on a Vester, voilà, c'est tout à gauche, vous voyez, c'est Vester qui vient d'être ajouté. Et on attend de voir ce que va proposer Astralis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont en tête, très certainement, je pense, hein. Entre guillemets, une intégration sur du long terme de jeunes joueurs qui peuvent former, qui peuvent encadrer et sur qui ils peuvent compter sur du long terme. Peut-être que les joueurs vieillissent, veulent prendre leur retraite, on ne sait pas, hein, mais je dis ça comme ça. C'est un peu l'idée que je me fais de cette équipe. D'ailleurs, la seule équipe européenne qui a été solide, j'ai envie de dire, pendant cette grande compétition qu'est les IEM Katowice, je le rappelle, qui est la plus grosse compétition de ce début d'année, une des plus grosses compétitions de l'histoire de Counter-Strike, et avec un des plus gros cash prizes.
Et c'est Tag qui prend le sniper chez Cloud9. Voilà, ça n'en finit plus un peu de cette équipe. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez de cette équipe. Moi, elle me fait très mauvaise impression. Je trouve que c'est un choix de recrutement pas le plus mauvais. On ne va pas déconner non plus. Hein. C'est quand même de bons joueurs qu'ils ont. Mais surpayés, surcotés, des grandes attentes parce qu'il y a des budgets colossaux qui ont été mis à leur disposition, à eux, au staff et ce genre de choses. Et donc, bah, ils ont libéré Woxic. Derrière, donc, ils n'avaient plus de sniper, donc c'est Essetag maintenant qui snipe. Donc encore une fois, pour moi, c'est un problème dans le sens où je m'explique et vous allez vite comprendre. Comment c'est possible que Essetag, d'un coup, il devienne un sniper? Ben, Wasato, non là là, merci beaucoup pour le don, mon pote, merci beaucoup. Et ces tags, pour moi, c'est un problème là, cette information, dans le sens où pour moi, et ces tags, c'est un star player. On le sait que c'est un star player. Sauf que là, quand tu perds ton sniper et que derrière, c'est ton star player, entre guillemets, qui prend le sniper, ça veut juste dire que tu lui donnes du capitana, tu lui donnes du leadership, tu lui donnes du pouvoir. C'est un peu comme les starlets, tu vois. On sait tous que Shox, par exemple, à des moments, ben voilà, un coup il voulait sniper, puis après il voulait lurker, puis après il voulait entrer, puis après il voulait plus prendre le snipe, puis après il voulait prendre le leader, le rôle de leader in-game. Bon, voilà, vous voyez où est-ce qu'on va. Voilà, vous voyez où est-ce qu'on va et vous voyez un petit peu, moi, ce qui me dérange dans ces annonces-là. C'est comme ça que je les interprète, de l'extérieur, bien évidemment. Moi, j'aime pas ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a des rôles prédéfinis. Pour moi, il y a des joueurs qui ont des rôles de star et qui sont complets comme Essetag, qui peuvent double sniper, qui peuvent apporter une énorme plus-value parce qu'ils sont très bons au sniper aussi. Mais pas que c'est pas un main sniper. Pour moi, il y a des snipers qui font mieux leur boulot que lui. Et je doute pas qu'il va performer en tant que sniper. Mais pour moi, là, l'équipe... J'aimais mes réserves. Voilà, j'aimais mes réserves. Mousy Sport avec Rops. Il faut savoir que on a G2 Nico, le bosniaque, qui était en FPL et qui a levé son casque. Donc il n'entendait pas les conversations des mecs sur le TeamSpeak de la FPL. Et t'as les mecs de la FPL, ils racontaient un peu tout en fait. Et ils expliquent que Robs, il y a des problèmes chez Mousse, que Robs il veut se barrer, et blablabla, et blablabla. Voilà, je vous les laisse. Ça dure pas longtemps. Mais voilà, vous voyez que là, en fait, il y a Nico qui est sur son téléphone, le casque, voilà, et t'as les Russes derrière qui racontent les bails. They're playing like nothing to lose, you know, most sports. I think the Robs want to leave, hey? Hey, just no. Rumors, yeah. Looks rough. I don't know, true or false. But they're playing like nothing to lose, really. Picking everywhere. Ok, donc on nous explique que c'est des rumeurs, etc. Mais après, on connaît les rumeurs. Moi, je peux vous le garantir pour le coup. Les rumeurs de couloirs de la scène pro et tout, ils sont pas là, il n'y a pas de fumée sans feu, on sait ces choses-là et tout. Moi, quand il y a des mouvements en France, je le sais avant tout le monde, entre guillemets. Eux, ils connaissent ces mouvements-là sur les scènes internationales, c'est pas pour rien non plus. Ils nous disent que ils comprennent pas pourquoi Mousse joue vraiment n'importe comment, ils rush partout, font les gogol comme s'ils avaient rien à perdre et ce genre de choses. Donc c'est que clairement, t'as pas entre guillemets d'objectif, t'as pas d'attente de la structure ou ce genre de choses. En gros, c'est ce qu'ils sous-entendent. Donc peut-être qu'il va y avoir un changement, surtout que on a vu Robs et Sunny faire copain-copain sur Twitter. C'est des anciens coéquipiers qui jouaient justement chez Mousse il y a très longtemps. C'est des joueurs qui s'appréciaient. Donc très certainement qu'il peut y avoir de gros changements là chez Mousse avec le départ de Carrigan, notamment chez FaZe. Donc là, il va y avoir très certainement, je pense, des changements chez Mousse et j'attends de voir ça. Donc on peut que se satisfaire de cette information dans le sens où on peut avoir une équipe beaucoup plus compétitive que ce qu'elle ne l'est maintenant. Et Sunny, voilà Sunny qui a annoncé sa free agency, justement un petit parallèle. Voilà, il a fait un tweet en expliquant qu'il était free agent et ce genre de choses. Normalement, il est censé faire un projet. Il est censé faire un projet avec Flusha. Voilà, il a même tweeté qu'il était toujours entre guillemets en binôme avec Flusha et qu'ils étaient à la recherche d'un projet et tout. Ça sent bon, hein. Sunny, Flusha, un Robs dessus.
Peut-être un Woxic aussi, parce que je sais que Woxic s'entendait bien avec eux. Donc très certainement qu'il a sa réputation, que les gens l'apprécient pas forcément et tout. Mais on attend de voir ça. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais ça peut être intéressant. Donc Sony qui était chez Enz, mais avant ça qui jouait chez Moose il y a très longtemps et tout. Donc va y avoir du gros changement. On peut voir que là par exemple les Heroic ont eu des investissements. On peut voir que chez Moose il y a de la place de disponible. Clairement, je suis pas un grand fan de l'équipe de Cloud9. Ça peut tout péter du jour au lendemain. OG pour moi sous perf également. Peut y avoir des vrais shuffles. Surtout que ça, c'est des équipes de mercenaires, entre guillemets, c'est des équipes un petit peu multinationalité, européennes en majorité, et c'est des gens, entre guillemets, qui vont aller recruter dans la FPL et ce genre de choses. On a du Olof qui est disponible et tout. Merci Enox de me le rappeler. Donc c'est pour ça que je mets ça comme ça sous vos yeux et peut-être que ça vous fait plaisir. On a une équipe que absolument personne connaît ici, je suppose. Isurus, donc c'est une équipe argentine, voilà. Mais j'ai pris la news parce qu'en fait ils viennent en Europe. Voilà, ils viennent en Europe, ils vont performer en Europe. Donc très certainement qu'on va voir cette équipe. On va voir cette équipe beaucoup plus fréquemment désormais. Donc familiarisez-vous avec ces pseudos. Il y a Deco, donc moi je connais que Deco, comme le joueur du Barça qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Oui, j'aimais bien le Barça avant et à la Madrid aussi, bien sûr. Moi je suis un footix, c'est totalement vrai. Donc c'est une équipe argentine qui va venir en Europe. Surtout que la scène là-bas est totalement décédée, hein, aux États-Unis, que ce soit la Pro League, que ce soit la MDL, tout ça. Il n'y a absolument rien à tirer des États-Unis à l'heure actuelle, donc vaut mieux venir en Europe. Et clairement, en termes de niveau, pour savoir où est-ce que ça se situe, c'est pas fou. Voilà, c'est vraiment pas du niveau foufou. Normalement, ils devraient se faire démolir par la moindre équipe du tier 3 qui devrait rencontrer. Mais qui sait, on va voir. J'attends de voir. La popularité des équipes CIS. Alors j'ai vu ce graphique et c'était extrêmement intéressant parce que j'ai été surpris. Voilà, j'ai été surpris. Donc pas du tout que ce soit Navi l'équipe la plus populaire. Hein. On parle de les équipes qui ont été le plus vues. Voilà, en nombre d'heures de stream. Et donc c'est Navi bien évidemment devant tout le monde, sachant que Navi a également un peu d'heures de vision par rapport à Dota 2, voilà, par rapport à Dota 2 également. On a Virtus Pro derrière avec vraiment que du CSGO, il me semble que Virtus Pro n'est pas engagé sur d'autres jeux ou alors très peu. Et j'ai été étonné justement de voir que Spirit était top 3, que Hellraiser est à peine 4ème avec 10 millions. D'heures de vision, enfin c'est quand même beaucoup, hein, c'est quand même beaucoup, mais c'est pour vous montrer un petit peu que il y a vraiment un gros gap déjà entre les équipes. Et j'étais étonné de voir que Spirit était aussi populaire. Et pour le coup, ça c'est paru la semaine dernière, donc on va parler justement de Spirit, cinquième pardon, on va pour Hellraiser, pas quatrième. On va parler de Spirit justement qui a fait une énorme performance pendant les IEM Katowice. Donc ça prouve un petit peu que c'est une équipe qui est visionnée, regardée, analysée depuis quand même plusieurs mois et que clairement ils méritent leur place. Voilà, j'ai été très surpris moi de la place de Spirit ou Gambit et qui sont clairement des investissements ultra bankable, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on voit un petit peu Cloud9 là faire de la merde totale avec leur argent. Hein. Moi, c'est mon avis. Voilà, moi, c'est mon avis. Peut-être qu'il y a des gens qui sont satisfaits des recrutements, que l'équipe, elle vous fait rêver. Moi, elle ne me fait pas rêver. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des équipes comme Spirit, on a des équipes comme Gambit qui coûtent 10 fois moins cher que Cloud9. Et vraiment, je suis gentil quand je dis 10 fois moins cher, qui sont bien évidemment 10 fois moins populaires et aussi, mais qui sont très certainement plus compétitives. Hein ? Faut dire ce qui est. Alors très certainement que le plafond de Cloud9 est beaucoup plus élevé, que c'est des joueurs, des équipes, c'est un projet en tout cas qui risque de briller plus haut, plus longtemps, sur du long terme, que ces équipes-là. Mais pour le coup, je trouve que l'e-sport des pays de l'Est, hein, tout ce qui est Russie, Pologne, Hongrie, Bulgarie, Biélorussie, Ukraine, Lituanie, enfin, tout ça quoi, c'est en explosion totale. Et je vous jure que on n'est pas prêt pour ce qui va se passer. Et moi je suis en train de le vivre, je le vois petit à petit arriver. Je l'école déjà il y a 2 ou 3 ans de toute façon, la scène CIS allait exploser
toute la scène CS à l'international. Je les colle, hein. Il y a des gens qui s'en souviennent très certainement. Et là, pour le coup, on le sent. Là, on le sent, je le sens, moi. Je le sens monter personnellement. Je le savais avant, par des simples faits, que payer un Français, payer un Allemand, payer un Suédois, payer un Danois, c'est plus cher que payer un Polonais, payer un Russe, payer un Ukrainien. Tu peux pas demander à un Français d'avoir le même rendement qu'un mec des pays de l'Est. Alors qu'un mec des pays de l'Est, tu vas lui donner 400 ou 500 euros par mois, il bougera pas de chez lui. Il va faire du deathmatch, il va faire des démos, il va travailler des smokes, il va travailler des flashs, il va lancer des pugs toute la journée, des pugs, des pick-ups, des games, des face-it, des FPL et tout, il va se qualifier, il va essayer de se la donner à fond. Sachant que c'est deux fois le SMIC là-bas, hein, 400, 500 euros. Dans certains pays comme la Lituanie, la Biélorussie, des Hongrois, des Serbes, des Ukrainiens, enfin, vous avez compris un petit peu le truc. Je l'ai dit il y a 3 ans, ça. Je l'ai dit que pourquoi la France, on perdait de plus en plus de joueurs. Pourquoi l'Allemagne, pareil. Pourquoi les Suédois n'étaient plus aussi dominants qu'avant aussi. Qu'il y a beaucoup moins d'équipes suédoises professionnalisées également. C'est pas que la France qui est en train de mourir. On est en train de se faire manger par les pays de l'Est parce que c'est des pays qui coûtent moins cher. Ça veut dire que toi, en tant que société, en tant que sponsor, en tant que club, en tant qu'organisation, tu vas très certainement payer un Russe ou 5 Russes plutôt, tous, tu vas les payer 500 euros par mois, donc le budget c'est 2500 euros par mois, annuellement c'est 30K, plutôt que d'aller payer un Malek, si tu veux, sur CSGO dans le subtop ou quoi que ce soit, qui va pas se la donner pour 500 euros par mois. Moi, quelqu'un qui me propose 500 euros par mois, je lui dis ok, je parle de toi, voilà, c'est tout. Je te mets un logo sur le stream, c'est tout, et encore, voilà. Bon, vous avez compris le principe. C'est clairement, on est dans des pays beaucoup plus développés économiquement, en salaire moyen et ce genre de choses. Hein, je ne dis pas que c'est des pays sous-développés, mais la Suède, le Danemark, tout ça, l'Allemagne, la France, c'est des pays où le SMIC est beaucoup plus élevé que là-bas. Donc, pour nous faire jouer 45 000 heures de... Merci pour le sub, Wattmat. Pour nous faire jouer, entre guillemets, en France ou en Suède ou quoi que ce soit, pour nous faire jouer des milliers d'heures de jeu par semaine et tout, qu'on sorte pas, qu'on n'ait pas de vie sociale, qu'on voit pas de meufs et ce genre de trucs, c'est vraiment difficile. Et bien évidemment, je suis le premier, entre guillemets, à un petit peu critiquer les Français qui se la donnent pas assez. Faut faire des sacrifices, entre guillemets, tu vois, des joueurs qui sont les numéro 1 à l'heure actuelle parce qu'ils étaient là avant. Merci Cavalon pour le sub offert. Je pense. On passe à la suite. Mais vous avez compris. Les résultats de la semaine. Alors aujourd'hui, on va pas se le cacher. Donc ça, c'était les qualifications des IEM Katowice. Les équipes qui se sont qualifiées, c'était OG, Virtus Pro, Moose NIP, Liquid, Big, Spirit et Gambit. Donc on va essayer de retenir des pseudos, des organisations précises. On va essayer de retenir Gambit, on va essayer de retenir Spirit, on va essayer de retenir Liquid et on va essayer de retenir Virtus Pro. Pourquoi ces 4 équipes? Parce que c'est 4 équipes qui sont passées par les qualifieurs et ces 4 équipes qui ont atteint les phases finales. Et ils se la sont données. Voilà, qu'on soit bien clair. Gambit, équipe russe. Spirit, équipe russe. Virtus Pro, équipe kazakh, pays de l'Est. Et Liquid, équipe américaine. Sur 6. Sur 6 équipes qualifiées, ça fait mal, ça fait très très mal, ça fait très 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 mal. Voilà, les résultats des groupes, on va parler des groupes maintenant, des IEM Katowice. On a justement Spirit dans le groupe A qui a un petit peu fait parler d'elle en battant notamment et en se qualifiant pour les phases finales, en battant notamment Astralis et d'une très 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 belle manière. On a Gambit qui a éliminé G2, Vitality a été éliminé par Virtus Pro et Astralis, ils ont pris 16-1. Voilà, ils ont pris 16-1 contre Team Spirit. Alors pour le coup, bonne performance. Voilà, j'ai vu tout à l'heure des gens parler, que ce soit sur des tweets ou me poser des questions sur le stream ou quoi, que... ces IEM Katowice, c'était des sous-performances, c'était des mauvaises performances de beaucoup de grosses équipes. Je ne suis pas d'accord. J'ai regardé beaucoup de matchs et pour moi, c'était plus
des surperformances des équipes qui se sont qualifiées plutôt que des équipes qui se sont fait éliminer. Donc par exemple, il y a du Vitality qui s'est fait éliminer, il y a du G2 qui s'est fait éliminer également. Je vais faire un focus sur eux parce que moi, les autres équipes ne m'intéressent pas. Je suis français, je suis moi-même supporter de ces deux clubs. Donc pour le coup, il n'y a pas de fixette, hein, il n'y a pas d'harcèlement ou je sais pas. Faut être un petit peu objectif et prendre du recul de temps en temps. Et je ne vais pas parler des équipes qui ne m'intéressent pas. Je vais parler des équipes qui m'intéressent. Et pour Vitality notamment, depuis ce début d'année, c'est moyen. Et j'ai même envie de dire, depuis la fin d'année 2020, c'était moyen. Si on fait le focus que sur ce début d'année, on a deux blasts. On a deux blasts où on ne fait pas des résultats exceptionnels. Et là, les IEM Katowice, où on ne se qualifie pas en phase finale. Et où on est éliminé par Virtus Pro. Donc une équipe qui est à notre portée. Je dois pas, on va pas dire qu'on est censé les tartiner, qu'on est censé les éliminer, les exterminer, les exploser, les ridiculiser, les humilier. Bref, choisissez le synonyme qui vous conviendra le mieux. Mais on est censé quand même les battre. C'est une équipe à notre portée. On est censé avoir des joueurs qui sont beaucoup plus expérimentés, qui coûtent plus cher en termes de salaire, qui coûtent plus cher à l'achat également, comme des Shocks, etc., qu'on a pu payer. On a Ziwu, le meilleur joueur du monde, qui malheureusement ne brille pas autant que qu'il en a l'habitude, j'ai envie de dire. Pas dans le sens où il sous-performe, parce qu'il a des ratios très corrects, mais... Voilà, on attend de Ziwu des trucs exceptionnels. RPK, je ne suis pas grand fan de ce qu'il est en train de nous proposer ce début d'année. Donc, on va faire un petit focus. Vous allez voir très rapidement. Je vais vous montrer Vitality en détail. Donc, on a commencé les IEM Katowice par le premier match contre OG qu'on a remporté 2-0. Alors, moi, je ne suis pas le colonel méchant tout le temps à taper sur les doigts de tout le monde, mais on a battu OG. OG, c'est une équipe qui est moyenne, qui est irrégulière. On l'a battu, tant mieux, mais on ne va pas féliciter Vitality d'avoir battu OG. Je suis désolé. Donc, on les bat 2-0. Difficilement sur Nuk, mais donc on les bat, voilà, on les bat et on passe à la suite, voilà, on passe à la suite. Donc derrière, on va faire notre match contre Liquid, et là pour le coup, Liquid, alors, je vais m'attarder sur les maps. On commence sur Nuk, ensuite on va sur Vertigo et on enchaîne sur Mirage. Le pic qu'on remporte, c'est Nuk, c'est normal, on commence sur notre site CT, surtout que c'est une map également forte de Vitality qui est appréciée par les Français depuis quand même leur début de la création du projet. Et derrière, on va sur Vertigo. On s'est fait complètement exploser. Alors, j'ai été surpris parce que moi, j'étais confiant. Je trouve justement que Vitality sont exceptionnellement bons. Justement, moi, je les trouve vraiment très bons sur Vertigo. Et on n'a vraiment pas été bons dessus. Et là, moi, derrière, c'est Mirage. Sur Mirage, on était des bots. Voilà, je comprends encore pas comment on a ce mapool. Je comprends même pas comment Vitality ont encore ce mapool. Il faut vraiment aller jouer train. Il faut vraiment aller faire d'autres trucs sur d'autres cartes. Voilà, on est extrêmement mauvais, sur Mirage. Je ne le trouve pas exceptionnel sur Inferno. Il y a des maps où on est vraiment plus que moyen. D2, c'est une map 50-50, que vous le vouliez ou non. Que Vitality soit bon ou pas sur D2, t'as quand même Big qui sont forts dessus. T'as Astralis qui sont forts dessus. T'as Navi qui sont forts dessus. T'as plein d'équipes Virtus Pro qui sont forts dessus. T'as plein d'équipes qui sont bons également sur D2. Donc je trouve qu'il faudrait vraiment... remodifier le mapool, aller beaucoup plus loin, je sais pas, prendre des gens à contre-pied, aller sur train, surtout que Ziwu, c'est un joueur qui affectionne particulièrement train, très certainement qu'avec Nivera, ça peut être exceptionnel aussi, hein, Nivera, Ziwu, double sniper sur train, je trouve qu'il y a, y a vraiment quelque chose, on peut aller chercher quelque chose, et je trouve qu'on est vraiment pas ouf, et donc, bon, on perd contre Liquid, donc on va en loser bracket. En loser bracket, on enchaîne notre match contre Virtus Pro, qui est éliminatoire, je le rappelle, et on se fait battre 2-0. Alors, c'était un match vraiment difficile, bah, justement sur Inferno, mais il faut savoir qu'on a comeback. Il y a eu 19-17, mais on a comeback. Il y avait quand même 15-11, je crois, pour Virtus Pro. Voilà, je crois que c'était 14-10 ou 15-11. Et derrière, t'as Ziwu, le 15-12, 15-13, 15-14, t'as Ziwu qui fait des entries, qui fait des redirections sur lui, enfin, exceptionnel. Ou Jame, il a été mauvais de ouf.
lors de ce match, il était mauvais en A et t'avais Zibou qui s'infiltrait, qui était dans le boiler ou des trucs comme ça et qui faisait des exploits individuels. Et on va chercher notre overtime, mais on craque pendant notre overtime et on perd. Et derrière, on va sur Overpass qui est le pic de Vitality et je nous trouve mauvais sur Overpass. Et c'est pas... c'est historique. Je nous trouve pas bon sur Overpass. Notre side terreau en tout cas est mauvais sur Overpass. Notre side CT est bon, mais on peut pas non plus commencer CT tout le temps. Vu que c'est le pic de Vitality, eh ben on va forcément... Quand une équipe choisit sa carte, pour ceux qui ne le savent pas, l'équipe adverse choisit le side. Ça veut dire que si Vitality choisit Overpass, ben l'équipe comme de Virtus Pro va choisir de commencer CT. Et tu peux très bien te prendre un putain de mur contre des équipes comme ça. Et donc on s'est fait dominer sur Overpass. On a perdu 2-0 contre Virtus Pro, une équipe qui est largement à notre portée, j'ai envie de dire. Et on est éliminé de ces IEM Katowice. Voilà notre parcours. Je vais même aller plus loin et vous montrer l'historique de match de Vitality sur ce début d'année. Voilà, depuis ce début d'année, on est là. Non, c'est faux, on est là. Voilà, on a joué, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs officiels. On en a gagné 3. Voilà, on a gagné 3 matchs officiels sur les 9. Et on perd contre du Complexity qui est à notre portée. On perd contre du Virtus Pro qui est à notre portée. On gagne contre OG. On gagne contre Liquid qui venait à peine de se reformer à ce moment-là. Donc, je vais pas dire que ouais, c'est super, on a battu Liquid. Ils venaient à peine d'intégrer Fallen et ce genre de choses. Et Complexity, là, on les battait parce qu'ils avaient un last, je crois qu'ils jouaient avec je sais plus qui. Jugi, je crois que c'était Jugi. Il y a moyen que c'était Jugi. Bref, voilà. Ça, c'était mon parcours de Vitality. Et c'est pour vous expliquer que je trouve qu'on est dans la continuité. Voilà, je trouve qu'on est dans une régularité de médiocrité. On n'est pas dégueulasse, on n'est pas immonde, on n'est pas pourri, on n'est pas nul à chier. On est médiocre, on est moyen et on dépend de Zibou. Voilà, et je vois que le jeu a changé. Tout le monde voit que le jeu a changé. Tout le monde voit que le jeu est beaucoup plus, entre guillemets, homogène, beaucoup plus teamplay. On compte beaucoup plus sur les individualités de tout le monde, plus que sur une seule individualité. Moi, j'apprécie pas. Voilà, j'apprécie pas. J'apprécie ça de la part d'Astralis, parce que c'est une équipe qui arrive à le faire. Aujourd'hui, si tu comptes sur les individualités de tout le monde, tu peux pas faire ça avec des joueurs aussi inexpérimentés que du Mizuta, que du Nivea. Bon, à croire que Nivea, franchement, il tire son épingle du jeu. Mais RPK qui a clairement de l'expérience, mais pour moi, qui a des lacunes. Il a des lacunes, donc pour moi, compter sur des initiatives, des changements de rythme de sa part, des prises de décision de sa part, à RPK, hein, je veux dire, pour moi, c'est limité. Compter sur des individualités comme Mizuta pour prendre des décisions, prendre des initiatives, pareil, c'est limité. Aujourd'hui, tu as deux mecs qui sont capables de parler dans cette équipe, c'est Apex et Shox. Peut-être un peu Nivera, je le connais pas, mais je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez discret et tout. Donc, je suis pas un fan du jeu que je vois de la part de Vitality de manière générale. Voilà, et j'évite de faire des analyses. Voilà, je vous le dis, j'évite de les faire parce que je me fais bâcher tout le temps. En mode, je suis un haineux, je suis désolé. Je vous montre depuis le début d'année ce qu'ils nous proposent. C'est moyen. Et il n'y a pas d'analyse depuis ce début d'année parce que j'ai pas envie de faire de review et de me faire insulter. En mode, t'es un putain d'haineux, tu fais que des vidéos où ils sont nuls ou je sais pas quoi. Bah, ils sont moyens de manière générale. Je vais pas attendre qu'ils mettent 16-0 à des mecs pour faire des analyses. Donc ouais, j'en ai un peu marre de me faire harceler, je vais pas vous le cacher. Et voilà, on passe à G2. Voilà, G2 aussi, qui est une catastrophe. Voilà, on va parler de G2 aussi, parce que Vitality, on aime bien leur taper sur le cul. Mais maintenant, c'est le moment de la fessée pour G2 aussi. Alors, G2, qu'est-ce qu'ils nous ont fait les copains? Eux, pareil, ils ont commencé le match justement contre Spirit. Et Spirit les a tout simplement explosés. Et sur Train, on perd 16-14. Je pense qu'on aurait dû même gagner Train, mais on perdait des 2v4 incroyables. Des gesteurs qui a été exceptionnel. Chez Spirit, leur sniper. Attendez, on va aller voir les scores. Ouais, Degester, il a fait 24-14, il nous a, mais genre, démoli, il a retourné KNIS, frère, c'était n'importe quoi. Je voyais un peu de frustration dans les cams de Nico et ce genre de trucs. Donc, je sais pas pour G2, surtout que là, l'équipe est là, il y a du Nico, il y a du... Voilà, tout le monde est réuni, on en a pour tout le monde. Là, chez G2, il y en a pour tout le monde.
Il y a Nico, Hunter, Nexa qui sont contents, ils sont unifiés, hein, voilà, on les a mis tous ensemble, tout le monde a des bons salaires et je sais pas quoi. Je suis absolument outré, hein, voilà, dégoûté du jeu aussi proposé par G2. Voilà, c'est pareil, c'est de manière générale et je fais pas d'analyse dessus parce que j'ai pas envie qu'on me démolisse. Et pour le coup, j'aime pas Kenny S. Le Kenny S que je vois depuis 3-4 mois, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, je trouve que c'est un support, c'est une pute, j'aime pas ça. Pour moi, Kenny S, c'est un star player, c'est un putain de simple. C'est comme ce que je vous disais sur Vitality tout à l'heure, le 1-1-1, compter sur les individualités, on compte sur tout le monde, on met des flashs, ça veut faire du jeu à l'Astralis. On n'est pas capable de le faire, on arrête. Au bout d'un moment, t'as des stars qui peuvent briller, tu te sacrifies pour elles. Donc il faut se sacrifier pour Zewu, et il faut se sacrifier pour Kenny S, je le pense. Pour moi, c'est un joueur qui a un talent. En termes de sniper pur et tout, mais là je le vois flasher, je le vois tenir des lignes pendant que Nico il s'infiltre, pendant que Hunter il fait ses moves. J'aime pas le jeu que je suis en train de voir, personnellement ça ne me plaît pas. Je vois l'idée où est-ce qu'on veut nous mener, je vois que c'est le jeu que j'apprécie voir de la part de FaZe, de la part de Astralis, mais ça ne marche pas avec nous. Et pour le coup, je trouve que Kenny S est immonde, dégueulasse, ridicule depuis le début de cette année. Et je pense que c'est lié au schéma tactique, voilà, au schéma tactique utilisé. Je trouve qu'il pue la merde. Voilà. Donc, Kenny, je sais pas, frère. Le staff, parlez-vous. Le lead, je sais pas. Nexa, là, il lead pas. Je sais pas. Il y a un truc qui ne me plaît pas dans le jeu, de manière générale. C'est même pas une question de Kenny est mauvais. C'est Kenny ne peut rien faire, en fait. Il est 2v6, ou alors il tient les lignes pendant que tout le monde se fait pique. C'est pas ce que j'aime. Voilà, c'est vraiment pas du jeu que j'aime bien. Donc on se fait éclater par Spirit. Derrière, on va en loser bracket. Vous avez encore compris le schéma. Et là, plus droit à l'erreur. C'est tout est éliminatoire. Donc on bat big. Voilà, 16-10, 16-12. Ouais, super. Voilà, donc là, t'as une équipe à 1 million d'euros qui bat big. Voilà, super. Tu veux quoi? Que je t'applaudisse? Tu veux des bonbons? J'en ai rien à foutre. Big, tu prends, tu balayes. Encore une fois, je suis pas là, moi, pour féliciter des joueurs qui sont payés, je sais pas combien, qui te parlent de major, qui te parlent de gagner des majors, qui ont, entre guillemets, des attentes bien plus élevées que celles de big. Moi, tu me tartines big, je te félicite pas. Merci, au revoir, c'est dominé. Ciao. Et encore une fois, on voit Nico on fire. On voit un Nico on fire. La Kenny, il a tenu un peu la baraque. Mais on voit un Nico on fire parce que j'ai vraiment l'impression que le jeu tourne autour de Nico. C'est clairement le star player, c'est clairement lui qui bait toute l'équipe, qui rush contre de l'écho, qui va s'infiltrer sur les zones, qui demande de l'activité ailleurs pour que lui profite un petit peu des espaces. Donc moi, ce genre de player, ça me plaît pas. C'est du happy en Broly, tu vois. C'est happy qu'aurait mangé un Senzu ou un fruit du démon, il s'est transformé en Luffy, frère. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, c'est ça, en fait. Là, Nico, il bait à outrance. Et... Après, il casse des têtes, hein, mais c'est pas le schéma que je veux. Moi, c'est pas le schéma que je veux. Derrière, on bat EG. Donc, EG, 16-14, 16-14. Donc, c'était vraiment très difficile pour le coup. Mais Train ont dominé. Train ont dominé, attention. C'est EG qui a un peu comeback et tout. Donc, pour moi, c'était un match maîtrisé. Et sur D2, ça part à notre avantage, encore une fois. Avec justement Kenny S qui a été exceptionnel sur D2. Map de sniper, grande ligne, une de ses cartes peut-être pas favorite parce que je pense qu'il excelle peut-être un peu plus sur Inferno, je pense qu'il est un peu plus allé sur Inferno, mais il a été exceptionnel. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez bien qu'il a été très bon Kenny S et pour le coup, je n'aime toujours pas ce qu'il nous propose. En choix, je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Et je ne ferai pas d'analyse. Je ne ferai pas d'analyse parce qu'on va m'insulter. Derrière, le dernier match, voilà, le dernier match, et on perd contre Gambit. Et attention, on perd. C'est pas 16-14 et tout. Hein. On s'est vraiment fait dominer. On s'est vraiment fait dominer. On s'est fait cadenasser par Gambit qui est exceptionnel. Exceptionnel. Shiro, il est trop fort. Hobbit. Venez, on parle de Hobbit. Hobbit, il a gagné un major avec la line-up Gambit de base. Il est parti jouer avec Gambit Youngster pour les former un peu, pour leur apporter un peu l'expérience. Imaginez que le mec, il a baissé sa culotte, voilà, faut dire les choses, il a baissé sa culotte, il a mis son ego de côté, il est parti jouer avec des noobs, parce que les gens pensent comme ça à ce niveau-là. Ils veulent pas se rabaisser à jouer avec l'équipe Academy. Tu vois, toi, un jour, Shox jouer avec Vitality Academy et les reformer, ce genre de choses. C'est ce qui s'est passé avec cette équipe. Je sais pas si vous voyez le truc, c'est exceptionnel. Et...
Et donc Obit, champion de Major, très très bon, très efficace dans cette équipe, très certainement qu'il a le respect de ses coéquipiers, très certainement qu'il a la confiance de ses coéquipiers, et que lui se sent confiant, se sent bon individuellement, et il performe comme il faut. Et il a des pépites à côté de lui qui sont exceptionnelles, et il propose un niveau de jeu, et vraiment, c'est extraordinaire le niveau de jeu que proposent des équipes comme Gambit, alors que l'investissement économique autour de ça, c'est zéro. C'est zéro de chez zéro. C'est une équipe académie. Et elle est là en phase finale des IEM Katowice à te sortir des Vitality, à te sortir des G2 qui ont investi des dizaines de millions dans les projets. C'est extraordinaire. Et là encore, on va faire l'overview de tout le projet entre guillemets G2 depuis ce début d'année. Hein. Et voilà, voilà, on est là, et voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hein, on a joué 13 matchs, 13 matchs, on en a gagné, pareil, voilà, on en a gagné que dalle, on a gagné que dalle, on fait que perdre. Voilà, donc Vitality et G2, c'est la lose de chez la lose. Et bien évidemment, voilà, je reviens sur ces IEM Katowice, j'ai trouvé exceptionnel, bien sûr, donc Spirit, Gambit, Virtus Pro, Navi qui se sont qualifiés pour les playoffs, et les deux seules équipes qui ne sont pas des équipes CIS sont Astralis et pardon, j'ai oublié le nom, Liquid. Voilà, Liquid. Donc ça va être les phases finales de la semaine dernière, de la semaine prochaine, pardon, excusez-moi, je perds mes mots. Et on va voir du beau jeu, on va voir du très beau jeu. Et gros cœur sur la finale des poules Liquid Navi qui a fait 600 000 viewers. C'était un match exceptionnel, ça s'est fini en double overtime et tout sur Inferno. C'est Liquid qui a fini justement par mettre la petite claque à Navi. Mais Navi s'est qualifié, donc ils vont prendre leur revanche. Et du très très lourd, ouais, du très très lourd. Donc on voit la scène CIS qui est en train d'exploser. Et je sais pas si vous le sentez arriver, c'est ce que je vous expliquais un petit peu en début d'émission. Mais là, la scène CIS, elle est en train de se réveiller très très fort. Et s'il y a du Spirit qui commence encore un petit peu à performer comme ça et qui va un petit peu jouer la bagarre avec des cadors de l'e-sport, au moins en termes de popularité, je ne sais pas si vous vous rendez compte du message que ça envoie à tout ce peuple-là, à toutes ces communautés-là. C'est normal qu'aujourd'hui tu lances un matchmaking, un Faceit, un ESEA, c'est normal que tu tombes sur 9 Russes dans le lobby. Parce que ces mecs-là, ils ont de l'inspiration partout. Partout. Je tombe sur des mecs en Faceit, ils ont des stickers de Spirit. Genre, on est où là? C'est comme nous, justement, à l'époque, quand on avait des stickers de, je sais pas moi, Clan Mystique, Epsilon, Very Games, Titan, Envious. T'avais plein d'équipes françaises qui étaient là pour nous représenter, et on se sentait représenté. On était fiers de notre scène compétitive. Aujourd'hui, t'as que Vitality sur qui tu peux compter, et on est plus déçus que récompensés. J'ai envie, enfin, moi en tout cas, c'est plus mon cas. Je suis plus déçu que fier. On passe à la suite, les potes. On passe à la suite. On va parler du classement HLTV. Rapidement, on va aller sur HLTV. Et voilà le nouveau classement HLTV, Astralis qui reprend sa place de numéro 1 mondial. Voilà, elle vient un peu de shipper la place à Navi. Alors, surtout qu'ils font exactement le même résultat là aux phases de poule du qualifieur. Donc je comprends pas, pourquoi Astralis. Pour moi, Navi aurait mérité d'être numéro 1, mais c'est pas le cas. Vitality garde sa troisième place, mais attention, ça commence à faire mal. Parce que regardez les points, on a 565 points, donc on est un mauvais numéro 3. Quoi. Vous savez très bien qu'on est un numéro 3 fragile, qu'on risque très certainement de descendre. Surtout que Virtus Pro, ils vont prendre des points. Spirit, regardez, ils ont pris un petit 9 points. Ça va faire mal, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. À la fin de ces IEM Katowice, ça va faire très très mal. Donc à voir. Pour moi, je comprends pas le moins de Navi, dans le sens où ils ont fait exactement le même résultat qu'Astralis. Donc pourquoi Astralis a pris un peu plus de points? Surtout que le tournoi de la semaine dernière, enfin les Blasts, c'est Navi qui les ont gagnés et pas Astralis. Donc je trouve ça très chelou là, le classement, en tout cas pour la place de numéro 1, numéro 2. Pour numéro 3, numéro 4, c'est normal, c'est des points qu'on avait d'avance, que ce soit pour Big ou que ce soit pour Vitality. Mais ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon. OG qui reste là, mais fébrile, c'est un numéro 12 extrêmement fébrile. G2 qui s'est fait dégringoler ses places. Donc ça j'attends très très fort. On va parler de Valorant. On va parler de Valorant avec un nouveau mode de jeu. Et j'ai vu plein de gens se hyper par rapport à ce nouveau mode de jeu. Donc on va voir.
Here comes the party. Hey. Ah, déjà j'entends Ray, j'ai envie de fuir gros. J'ai envie de fuir très vite. Hey, I like this game. Enemy spotted. Bon voilà, un petit trailer sympa, non? Escalation, unleash your arsenal. Good job, Valorant, good job. Bon, vous avez vu, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gun game. Voilà, s'il y a des gros fans de CSGO qui connaissent 1.6, qui connaissent Counter-Strike Source, même Condition Zero, ou même sur CSGO, il y a moyen qu'il y ait des gun games. J'y ai plus jamais joué, moi, depuis, ça fait des années que j'ai pas joué à ce mode de jeu. C'est un gun game. C'est quoi le principe? Tu joues avec une arme, tu fais un kill, tu upgrades ton arme, tu changes d'arme. Et en gros, le but, c'est de finir avec toutes les armes et à la fin, tu finis avec un cut. Là, je trouve ça très intéressant. Ils veulent, entre guillemets, donner un peu de fun, ils veulent faire un mode un peu plus fun, qui est plus grand public et tout. Je trouve ça super cool. Franchement, je trouve ça super intéressant. Et là, ce qui est très, 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 très cool, c'est on fait des kills avec les ultis. Les ultis, les flèches électriques de Sova, les robots de Raze et ce genre de choses. Donc, je trouve ça super intéressant. Dans le sens où, bon, c'est pas la révolution non plus, hein, ça existait. Mais le fait d'avoir un mode de jeu là comme ça et tu dois faire que des kills avec la flèche électrique ou ce genre de truc. C'est plutôt cool, c'est un truc fun qu'ils ont fait là en mise à jour. Ce qui est intéressant faut reconnaître entre guillemets à Riot de vouloir dynamiser, de vouloir plaire au plus grand nombre, de s'occuper de son jeu petit à petit. Faut pas oublier que le jeu a moins d'un an, il a moins d'un an, ils ont fait un mode 5v5, ils ont fait un mode Spike Rush, je sais plus quoi là. Ils ont fait un mode Deathmatch, là ils font un mode Gun Game. Très certainement qu'il y aura d'autres modes qui vont venir plus tard. Et ne serait-ce qu'en un an, voilà, ils font ça petit à petit. Ils prennent chaque problème et ils trouvent à chaque fois une solution pour dynamiser et tout. Je trouve ça super intéressant perso. La mage, on parle également de Reyna qui a été vraiment nerf et je pense que c'était important. Je pense que c'était important parce que moi Reyna je la trouvais pas fumée de ouf au niveau comment dire compétitif, au niveau professionnel. On la voit même très rarement, on voit très rarement cet agent être pick. Mais en fait il y a les réductions de ses charges. Elle avait 4 charges avant, elle passe à 2. Ça veut dire que elle pouvait faire des kills et appuyer sur le bouton E par défaut et disparaître. Ça maintenant on passe que à 2. Ça va empêcher entre guillemets les multi-kills à outrance. Voilà, ou un kill qui est un kill et derrière qu'elle puisse se remettre à l'abri. Surtout que Valorant est extrêmement punitif dans le sens où le jeu est beaucoup plus lent que celui de CS:GO. Le jeu et il y a les wallbangs aussi, ça veut dire que si tu as une ligne, tu as beaucoup plus de mal, je trouve, que sur CS:GO à faire un kill et te repositionner intelligemment. En général, il y a un revenge quasi immédiat qui est fait, où t'as vraiment du mal quoi, faire un kill et repositionnement, je trouve ça beaucoup plus honnête entre guillemets sur CSGO que sur Valorant. Et Reyna était l'agent qui pouvait faire un kill et se repositionner quasiment tout le temps. T'avais un mec qui était vraiment focus sur son duel et tout, qui avait un peu de sang froid, qui paniquait pas quand il envoyait 4, il faisait un kill, hein, il en focusait un et derrière il disparaissait. Ses charges coûtent plus cher, hein, passe de 100 à 200, donc c'est un gros nerf. Par contre, tous les agents qui font des kills maintenant pour elle, donc ses coéquipiers, si elle les a touchés, si elle les a mis low HP ou quoi dans le round, et qu'ils sont finis par ses coéquipiers, elle peut ramasser leurs orbes aussi. Elle n'a pas l'obligation de faire le kill. Donc ça, c'est un petit buff, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. Donc ce que je disais, c'est que pour moi, elle n'a pas un impact ultra
dominant sur la scène compétitive, mais par contre dans les ranked en solo queue, duo queue, enfin quand vous lancez le matchmaking de base, il y a vraiment des insta pick Reyna dans toutes les games, il y a des Reyna et c'est vraiment en général des gens qui bait et tout, qui cassent les couilles, qui flashent pas pour les potes, voilà, ils jouent l'agent pour eux et selon qui le maîtrisait, c'était vraiment ennuyant je pense pour l'équipe adverse. Donc pour moi ce nerf il est vraiment bien vu, surtout pour le système de matchmaking où je trouvais que l'agent était beaucoup trop dominant. C'était vraiment un agent qui permettait de faire un kill, de se repositionner, de bait son équipe et tout ça quoi. Donc ça va être utilisé beaucoup plus intelligemment, je l'espère, parce que c'est un nerf mais il reste puissant quand même le perso, faut pas en abuser. La mise à jour également a vu un rééquilibre autour des armes, notamment le scout. Il y a eu un buff du scout, pardon, pas un nerf. Quand vous êtes en scope, que vous avancez avec le scope, vous étiez ralenti. Donc ça, c'est comme sur CSGO, hein, quand vous marchez avec un AWP, quand vous marchez avec une AK, quand vous marchez avec un Deagle, vous n'avez pas forcément la même vélocité, la même rapidité de déplacement. Et là, pour le scout, elle a été augmentée. Ça veut dire qu'ils veulent vraiment favoriser le fait de pick avec un scout et de pouvoir se repositionner. Clairement, c'est un problème qu'il y a sur Valorant par rapport à la lenteur du jeu, par rapport à l'impact du tagging, par rapport à l'impact de la IM Punch aussi. Quand vous êtes touché, il y a vraiment des phénomènes qui sont ultra prononcés sur le tagging et la IM Punch. Merci AK pour le sub, on te fait bisous. Donc j'espère que vous comprenez le fait que ça, pour moi, c'est un problème. Et je trouve que là, Valorant, ils y arrivent petit à petit. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils mettent le jeu plus rapidement, que le jeu soit plus rapide et je serai vraiment pleinement satisfait. Je le trouve vraiment trop lent. Ou alors il faut enlever un peu de tagging s'ils veulent le laisser lent. Moi, pour moi, c'est combinaison de toutes ces choses-là, que le jeu soit lent, qu'il y ait le tagging et qu'il y ait la aim punch et les walls en plus, ces quatre choses combinées fait que j'ai vraiment du mal moi avec le jeu. Mais là pour le coup ils ont buff le Marshall et on peut justement entre guillemets maintenant pick comme sur CSGO et t'en aller. Le Frenzy a été nerf parce qu'il passe de 400 à $500 parce que je crois il voulait annihiler la volonté des pistoles de prendre un Frenzy plus un Kevlar où c'était vraiment trop puissant et t'avais 4 mecs qui te rushaient au Frenzy avec des jets et des rays qui pouvaient dasher et tout, c'était un peu complexe. Et le Stinger a été nerf parce qu'à ce qui paraît l'arme était trop puissante, donc ça moi j'ai jamais beaucoup joué avec cette arme, donc je ne sais pas. Majin, merci pour le sub. Donc le prix a été augmenté, la cadence de tir a été baissée et le recul a été augmenté, donc là c'est un vrai gros nerf de la part de Riot sur le Stinger et je trouve ça juste, ouais, je trouve que c'est bien, ils s'occupent vraiment de leur jeu, ils écoutent quand même pas mal la communauté, ils essayent vraiment d'équilibrer leur jeu. J'attends de voir sur du long terme parce que j'ai la conviction, voilà je le dis maintenant comme ça, j'ai la conviction moi que Valorant va être un jeu beaucoup plus rapide plus tard. Je pense que la volonté de Riot c'est de faire un jeu accessible aujourd'hui, qui soit très lent et tout, que les gens prennent l'habitude du mode 5v5 et tout, de les familiariser avec ce mode de jeu là, et après de le rendre de plus en plus hardcore, de le rendre de plus en plus inaccessible, de le rendre de plus en plus élitiste. Un peu comme CSGO. Et vu que les gens auront baigné dans Valorant, ils vont vivre l'évolution petit à petit avec des mises à jour. Et ça ne va pas être des mises à jour drastiques qui vont, entre guillemets, segmenter les très faibles avec les très forts. Ils vont faire ça petit à petit, je pense. Je sais, c'est un petit peu ce dont je rêve aussi, en réalité. Mais j'espère que ça va se passer comme ça. Prochain agent, il y a un petit agent qui a été leak, c'est un leak voulu ça, hein, on va pas nous la faire à nous. Donc l'agent serait originaire du Ghana, hein, comme on le sait, hein, il y a toujours un storytelling avec Riot et les agents. Donc il serait originaire du Ghana, il aurait la possibilité de smoke et de flasher, d'accord. Donc on peut voir là il y a des orbes bizarres, donc je sais pas si c'est des âmes un peu à la Reyna ou ça peut lui permettre de disparaître ou je ne sais pas, ou alors des possibilités de smoker, de flasher, je ne comprends pas, je ne comprends pas le screen. S'il y a des gens qui ont plus d'infos là sur le stream, n'hésitez pas, s'il y a des gens qui regardent la vidéo qui ont plus d'infos, dites-moi dans les commentaires.
Je trouve que c'est super intéressant. J'ai vu sur Twitter hein, des gens qui sont sur Valorant à fond, qui laissaient supposer que cet agent allait vraiment révolutionner entre guillemets le jeu. C'est-à-dire que aujourd'hui le jeu est vraiment ultra répétitif. On sait que c'est tout le temps les mêmes agents qui sont là et tout. Et à chaque fois les apports d'agents qu'il y a eu, que ce soit Killjoy, que ce soit Yoru, que ce soit Reyna. Que ce soit tous ces agents-là que je viens de vous citer, ça a toujours été des agents, entre guillemets, qui n'ont pas révolutionné la méta, qui n'ont pas révolutionné un peu le gameplay. Cet agent, j'ai vu sur Twitter, laissait supposer que ça allait vraiment changer la manière de jouer et qu'il apporterait de toutes nouvelles mécaniques de jeu et que ça serait totalement différent. Voilà, on aura un Valorant totalement différent. Donc, à voir... à voir ce que ça va nous donner. J'attends de voir cet agent pour le coup parce que je veux voir du renouveau. Parce que moi j'en ai marre de voir Omen tout le temps pique pour smoker. Là, si cet agent a des smokes et des flashs, très certainement que ce sera lui qui sera privilégié. Maintenant, à ce qui paraît, il aurait des nouvelles mécaniques et qui sera difficile à prendre en main. Donc pour le coup, peut-être que c'est pas pour tout le monde non plus. Peut-être que ce serait pas pour tout le monde non plus. Une news qui va faire sourire certains et qui va très certainement faire grincer d'autres dents. Des dents, pardon, pour d'autres. Happy serait bientôt kick de Giants. Voilà, donc il a été officialisé, je crois, il y a un petit mois à peine. Et il se ferait kicker du projet selon un PV. Enfin, selon un PV et Nel, notamment. Donc c'est un article, plutôt fiable. En général, faut savoir que ces informations sont extrêmement fiables, donc c'est pour ça que je les relais. Donc Happy qui se ferait kick de ce projet-là. Je sais pas quoi en penser. Pour moi, Happy était un très bon joueur sur Valorant. Pour moi, Happy performait comme il le fallait sur Valorant. Donc à voir ce que ça va donner et s'il se fait kicker, que va-t-il se passer ? C'est-à-dire que il a sa place hein, bien évidemment, c'est quand même un top joueur, faut pas oublier. Et donc à voir ce que ça va donner pour notre ami. Voilà. Oh, et on a notre sub de fin de stream, quel bonheur, de fin d'émission. Et merci mon ami Shroudi pour les 62 mois de sub, le plus loyal de tous mes abonnés, merci à toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le stream, restez là bien sûr, c'est mon outro pour YouTube. Ceux qui apprécient ce contenu-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ceux qui sont sur le stream, vous pouvez faire point d'exclamation YouTube, vous allez avoir ma chaîne, et vous pouvez vous abonner, hein, parce que c'est tous les lundis cette émission à 19h, et vous l'avez en replay sur YouTube. Donc si vous ne serez pas là la semaine prochaine ou celle d'après, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 100 000, et je compte sur la plupart d'entre vous pour s'abonner.